J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à toutes et à tous. Il m'a dit qu'il se répondre par Johnny Crashman sur Twitter pour la vidéo. Mais j'ai... en fait, j'ai... on m'a envoyé le clip, mais je lui demanderai le contexte exact de cette histoire avec Jean-Luc Reichmann parce que c'est un peu étrange, effectivement. En vrai, c'est quand même... Bonjour, Florent. Mais j'ai vu que t'as appelé Jean-Luc Reichmann, mec. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Reichmann. Incroyable, c'est pas un répondeur, on est d'accord. Hein. Si c'est un répondeur, bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de Jean-Luc Reichmann, il est 12h17. Donc non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé un appel hier à Popcorn, parce que du coup, on parlait de Exakill, qui a gagné 65 fois son émission, N'oubliez pas les paroles. Et je profite qu'il y ait du monde qui regarde cette émission pour lancer un appel à TF1, s'il vous plaît. Est-ce que on peut me renvoyer les images, est-ce que vous les avez quelque part, etc. Ouais. Et le lendemain matin, ce matin, je suis en train de streamer du coup là, et les gens me taguent, oh mec, sur Twitter, il y a Jean-Luc Reichmann qui t'a répondu, et du coup je vois le tweet de Jean-Luc Reichmann en mode, voici un extrait de ton passage, je l'ai retrouvé en fouillant. Théo, que vend la boutique que Scarlett Johansson a ouverte fin octobre à Paris? Soit du popcorn, soit l'autre. Je pense que c'est l'autre. Derrière l'autre, il y a des vêtements pour bébé, et c'est... Putain, tu savais pas que la boutique de Scarlett Johansson vendait du popcorn bouffon? Quoi, tu savais pas ça? Toi, tu le savais, toi? Bah mec, si tu vas là-bas, il y a de fortes chances que tu me croises. Hein. Un jour sur deux, je peux te dire que... Un jour sur deux, je suis en train de m'engloutir des litres de popcorn. Et d'ailleurs, sachez que c'est ce jour-là que j'ai rencontré... Aïe, 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 est-ce que c'est une photo qui a mal vieilli? Dieudonné. Ah oui, effectivement, effectivement, mais... Rivenzi. Non, non, mais tu connais... Ouais. J'ai la rêve de cette photo. Ah oui. Oh non, Rivenzi et Christian Quesada, messieurs, dames. Il faut savoir que cette photo a été prise après les affaires judiciaires, je tiens à le dire. C'est vraiment... Il était complètement au courant. Hein, c'est... Rivenzi était très au courant à ce moment-là. Non, pour moi, il a pas de preuve, donc bon, bref. Ces gens-là, je pense qu'on les juge un peu à tort. Bref, on verra ce que la justice dira. C'est pas toi qui l'a fait sortir, quand même. L'histoire? Non, c'est pas toi. C'est pas toi qui a fait sortir Quesada de prison? Non, du jeu. Non, du jeu. C'est pas moi qui ai fait sortir Quesada. Je suis en Rayou 2019 en ce moment. Non. Oh non. Il est de retour. Il va chuchoter sur son live. Je sais pas, je suis dans un mood un peu sombre et endormi en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, bro? Non, mais y a aucun problème, continue la soirée, moi je suis là pour jouer. Tu peux exprimer ça en japonais si tu veux, Rayou, hein. Tout ce que t'as sur le cœur. Aujourd'hui, je m'appelle Shori. C'est Victor en japonais. Je crois que t'avais dit que c'est Victor en japonais, je me disais ok, c'est à chier. Qui se souvient de Ultia? Qui se souvient de Ultia, ouais? Ultia, c'est ça? Ouais, bah en vrai, on va la regretter. Abominable. Hein. Bonjour, les stars sont toujours en retard. Trop marrant, c'est la dernière fois que tu fais ça. Waouh! Wow. Il est hostile JD ce soir! Oh, il est très hostile! Et on aime ça quand il est hostile JD, hein? T'es hostile JD! Ah, coquin, on a envie de te mordre! Hein? J'arrive sur... Ok, pas de King Shaming. Toutes les photos de ma bite... qui c'est qu'il y a... C'est quoi, qui est... Ah, ça y est. Ça vient de Le Alien avec Tomska. Toutes les photos de ma bite... Oh, je suis tombé sur cette vidéo l'autre jour, j'ai passé un écran. Ah, vous aimez bien regarder des petites vidéos que j'ai fait dans le passé et me les ressortir pendant ces soirées-là, ah, ouais, quoi. Ouais. Ah, c'était obligé, j'étais obligé. Ah, moi, c'était... Non. C'est peut-être que j'ai... Oh, quoi? Oh, t'étais super dans ce rôle quand tu jouais à un Français. Oui, non, mais c'était bien. Bonjour. Ah, est-ce que tu streamais déjà à ce moment-là ou non? Pas du tout. Non, j'étais en full YouTube à ce moment-là. Ah, tu faisais encore des boîtes de 4 à ce moment-là? Le dernier était sorti, mais dans ma tête, j'étais en mode bah, je bosse sur le suivant. Ah. Et à l'heure actuelle, c'est toujours le cas, donc voilà quoi. Ah, c'est une phase qui s'étend un petit peu, quoi. Ah, c'est un peu long, hein. Ça commence à être un peu long, mais bon, écoute. Le projet arrive, quoi. Ah, ça arrive. Non, mais c'est parce que Macron a sucré les aides aussi, Antoine. Et voilà, et c'est reparti, Florence, mais on ne peut pas t'en empêcher. Non, mais déjà que t'as ruiné le The Event la dernière fois avec ça, maintenant tu veux ruiner le Ponce la Switch avec ça encore, Florence là, c'est... Florence et moi, on a ruiné les deux derniers The Event, franchement. Ah oui, c'est vrai, bravo. C'est vrai, Ah oui, c'est vrai, c'est vous deux. Les gros liasses. Est-ce qu'on peut jouer, putain? Je vous en supplie. C'est qui a pas de join? Je suis sûr que c'est Rivenzi, putain. Je suis sûr que c'est Rivenzi aussi. J'aurais eu le temps. Putain, mais ta gueule. Non, putain, ça suffit, on a compris, Rivenzi. Ça suffit, maintenant tu... Man, vas-y. C'est un mal de présidence. Mais vas-y, c'est bon, tu passes. C'est bon, on a compris, Rivenzi.
C'est bon là, tu casses les couilles, ça suffit là. Tu rejoins la game, merde. Putain, il est même pas dans la room, retourne de écouter. Il est 20h29, on est dans le lobby, sérieux. Allez, retourne te branler sur du chouchen là, vas-y, go jouer. Bah, excusez-moi. Non, non, par contre, je veux bien que tu me traites de collabo, de ce que tu veux, par contre, me branler sur du chouchen, sort de question. Non, non, mais tu vois, c'est la barre qu'il fallait pas dépasser, tu vois, à ce moment-là, c'est la ligne... La ligne rouge, en fait. Tu vois, donc ne me rabaisse pas à ma culture, qui selon toi, j'imagine, est une sous-culture, et toi, je ne t'ai jamais fait ressentir ta différence non plus, donc fais attention. Fais attention. Ah oui, c'est quoi, donc c'est quoi ma différence, Rivadi? C'est le fait que je suis d'origine algérienne et ça te dérange? Je n'ai jamais dit ça. Ah oui, quoi? Non, mais ça te dérange? Mais rejoins la room, Rivadi, au lieu d'être raciste. C'est lui qui a commencé à me parler de mon chouchen et j'ai trouvé ça hyper violent. Moi, j'ai vu Rivenzi dans le privé, il m'a dit ça me dérange. Voilà. Non, mais d'accord. Nous étions au bord du lac de Tenons-les-Mains, effectivement. Ouais, nous en avons parlé. Ça me dérange. Si tu veux que cette soirée je m'appelle pas Ryan et Edmond pour te faire plaisir. Victor, ce sera Victor. Ah bah oui, Victor. Pour récompenser tes fantasmes de raciste, y'a pas de problème, mec. Mais bon, c'est pas grave. Parfait, allons-y, n'est-ce pas? Mais rejoins la room! Mais putain, rejoins la room, Rivenzi! Allez, on lance. Quoi? Pourquoi? Erreur de communication? Ah, pour recréer. Oh non, pour recréer. C'est pas vrai. Oh non. Voilà, on fait une part du DLC pour commencer. Ou sinon, bah, on fait tous chacun de notre côté, comme ça on est sûr qu'il y aura pas de soucis. Let's go. Oui. J'irai à Amsterdam, on va à Dame ensemble. On va à Gédéco. Mais c'est Ponce Lobby là, on en peut plus. Super ton jeu, Ponce, ouais. On joue Spectate. Oliver! Oula! 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 Qu'est-ce qu'il a fait? On t'a envoyé comme il un va éteindre débile, la Switch. Je suis en train de vroom! Oliver! Just vroom. Mais du coup, je découvre pas la map, putain! Ça ressemble pas à ça, Amsterdam. Tu la découvres, regarde. T'as le dernier tour au quartier rouge avec les putes, là, ça va être incroyable. Allez, let's go! Ça va être insane, let's là. Go. Regarde mes lines, Antoine, je suis clean as fuck. Tu veux que je te regarde, toi? Vas-y, attends, je vais te regarder, je te cherche. Regarde, c'est chouris. Non, mais c'est un chien! Pas mal, l'étoile! Pile quand j'arrive sur toi, là, c'est bien joué, là. T'as 9000 heures! Mais c'est énorme, là, étoile, là, ton gameplay, là. Non mais regarde. Hein. Ouais. Regarde JD ce que je lui mets. Mm-hmm. Ouais. J'ai envie de crever. On peut avoir une erreur de connexion s'il vous plaît. Mais non, on s'en fout. Non mais ça va. Tiens, j'ai vu ton avis aussi, Ponce, sur Asterix Obélix, l'Empire du Milieu. Oh, il est abominable, mec. Mais c'est fou à quel point vous êtes tous allés le voir, quoi. En fait, au-delà d'être à chier, il est affligeant. Il est affligeant, franchement. Et bah faites mieux. Adapté Astérix, mieux que ça alors. Oh oui, incroyable. Alors, du coup, Antoine sera Astérix, Ulti en Obélix. Ulti en Obélix, let's go. Et Angle. Bah, il est fixe, hein. Ah ouais, ce serait idée fixe. La chienne. La chienne. Mais attends, il est complètement. Elle a dit idée fixe, ça va, je rigole. Non. Angle droit serait la chienne. Mais c'est pas grave. Mais Antoine. Ce serait la chienne. Non, mais ça va parce qu'il défixe, c'est sûrement le personnage préféré de plein de gens, donc ça va. Oui, c'est le personnage préféré des Français. Ah bon? Voilà. Moi je pensais que c'était Zinedine Zidane. Personne n'a dit ça. C'est le personnage préféré, toute œuvre culturelle confondue. Il défixe. Et Ulti en Obélix, ouais, c'est pas mal hein, comme idée. Ouais, ça va être stylé, je pense, à côté d'Antoine en Astérix. Bon, il y aura beaucoup de FX, hein, on va pas se mentir. Ah, ouais. Elle va me caresser en permanence. Ou Depardieu, voilà. Oh, bizarre. Tu te fais caresser par Depardieu pendant tout le film, what the fuck. Ouais, de me faire caresser par Depardieu, là. Non, et pour soi, César, ça me va bien, ouais. Qui parle de lui ouais, à la troisième personne. Ouais, ça lui personne, va bien, à moitié à poil. Ouais, un peu mégalo, toche, là, un peu, comme moitié ouais. À poil sous une toche. Respectez-moi un minimum, je suis dans la conf, yo. Putain, mais oui, vous avez déjà entendu parler de l'histoire du porno de Michel Houellebecq? Quelqu'un dit dans mon chat, la nana qui a couché avec lui a dit que c'était un super baiser, ça m'a terminé. Oui, le directeur du film a dit ça aussi. Il a dit que c'était une bête de sexe. Eh bah écoutez, ça donne envie de le voir, j'ai envie de te dire. Eh bah en vrai, merci pour l'info parce que c'était bien la question que je me posais. Est-ce que Michel Houellebecq est un GBZ, un gros baiser comme on l'appelle? Ah, du coup, ça m'a mis l'eau à la bouche, hein, tout simplement. Hein. Ah, il est fixe là, ça t'a mis l'eau. Ah merde. J'ai la langue qui pend là. Hein. Ça me dégoûte. Putain, tellement envie de voir Michel Houellebecq faire l'amour. Mais moi aussi, c'est mon rêve. Hein. Et des gens vont se masturber en regardant Michel Houellebecq. Ça me dégoûte, c'est horrible. Mais enfin, on ne kinkshame pas, j'ai envie de... Tiens, on n'a pas le droit de se branler sur Michel. Non, ça me dégoûte. Bon, Ultia, je vais te poser une question très sérieuse sur Michel Houellebecq. Tu préfères faire l'amour avec Michel Houellebecq ou embrasser tendrement pendant 20 minutes Michel Houellebecq? Tendrement, hein.
pas un petit smacos, hein, vraiment. Faire l'amour, ça dépend quoi, en vrai. Baiser, c'est combien de temps? Et puis c'est quoi? Oh, baiser, c'est 5 minutes. Ouais, non, c'est un peu décalé. Pénétration obligatoire, mais il est obligé d'aller jusqu'au bout ou pas? Michel Houellebecq va jusqu'au bout, en tout cas. C'est la question. Avec ou sans capote? Sans, mais il a été testé et tout va bien. Je réponds à toutes vos questions sur cet incentive. Il y a pas de risque de grossesse. Si t'es enceinte, tu dois garder l'enfant quoi. Non, y aura pas d'enfant, c'est sûr. Y aura pas, il est. Il est stérile. Non, il tire à blanc, Oh, il est stérile, ok. Mais c'est quoi ce live PMU, frère? Non, bah attends, mais je pose les vraies questions là. On pose les vraies questions, là, on dit les termes en fait. Mais... C'est la question co quoi. La question co. La question qui? La question in. Ça m'a fait déborder quoi. Ah, ça t'a fait déborder, toi, pardon, my bad, pardon, on arrête de parler de ça, pardon. Pardon, et toi? Faut que je fasse mon Duolingo avant minuit. Quelle langue? En italien, du coup, je vais devoir le faire en live. Ah, mamma mia, pizzeria! Ah, bien sûr. Sinon je vais perdre ma... Hey, j'ai le pizza pass, hein, ma mère est italienne. Hein. Et moi j'ai le couscous pass. Le couscous pass. Ah, okay. Je suis vraiment trop nul ce soir, c'est une dinguerie. Putain, Rivenzi, t'es à chier. Putain, j'ai le niveau de Florence ce soir, ça me dit... Oh mais ta gueule toi. Quel chien. Mais quel chien de la cage celui-là. Retour sur les 12 coups de midi, là, ça nous fera des vacances. Ramasse les douilles. Il va retourner avec Christian Quesada, là. Au calme. Avec ton pote Christian Quesada. Bah, il est peut-être innocent. Ouais. La cage était condamnée. La justice française, ouais.